Je m'appelle Lola de Sterk, j'ai 25 ans, je joue au théâtre depuis maintenant plusieurs années. Je joue également pour des projets cinématographiques, que ce soit des courts, des moyens ou des longs métrages. En fait, j'ai commencé tout d'abord par des humanités artistiques, ce qui m'a ouvert la porte finalement au théâtre, je vais dire le vrai théâtre, c'est-à-dire vraiment apprendre sur le tard auprès de comédiens. Et donc c'est des professeurs qui m'ont remarqué et qui m'ont dit bah, « Tiens, on a besoin d'une jeune première pour faire le rôle d'une fille ». Et ça a commencé comme ça, et puis finalement une porte en ouvre une autre. Et je dois dire que les projets finalement s'enchaînent. Et comme à Charleroi, c'est un microcosme où tout le monde finalement se connaît ou a déjà travaillé, chacun a déjà travaillé avec tout le monde. Mais ça permet de vite créer des liens et de vite comment dire, nourrir les projets. Donc je fais à peu près 1 à 4 projets théâtraux par an. Au niveau cinéma, j'en ai fait 4 ici cet été, mais c'est très aléatoire, ça dépend. Parfois on peut ne pas avoir de projet pendant 3 mois. Mais en tout cas, je suis toujours à cogiter sur des nouveaux projets et à donner l'impulsion, que ce soit auprès d'amis réalisateurs ou auprès d'équipes. Voilà, parce que j'aime beaucoup le fait de créer, de laisser une trace. C'est vraiment une passion. Je ne cherche pas à en vivre et je ne voudrais pas, parce que je sais qu'il y a énormément de dangers, il y a énormément d'insécurité, ce n'est pas évident du tout de s'en sortir dans le milieu artistique. Puis voilà, j'ai la chance d'être passionnée par plein de choses, donc de faire de mon métier finalement des choses qui me plaisent, du point de vue organisationnel, culturel, à Charleroi ou ailleurs. Donc non, je n'en vis pas, mais c'est une très belle passion qui remplit vraiment mon temps libre. En fait, jusqu'à présent, je fais des projets avec des personnes très différentes, donc ça dépend un peu d'où vient l'impulsion du projet. Chez certains jeunes cinéastes, peut-être que certains n'osent pas toujours demander de subsides, ou quand ils essayent, la ville se montre conciliante, non pas d'un point de vue subside ou financier, mais plutôt d'un point de vue autorisation et administratif. Par exemple, voilà, dans le cadre d'un court-métrage, on cherchait un bâtiment d'époque pour tourner dedans. On ne l'a pas eu, mais la ville s'est tout de même décarcassée pour nous prêter, pendant une ou deux journées de tournage, je ne sais plus très bien, l'ancien consulat d'Italie. Donc il y a quand même un lien qui se fait, et ils ne sont pas sourds ni muets par rapport à nos demandes. Oui, il y a quand même un soutien, que ce soit au niveau des conseils. Donc ça, c'est vraiment un grand merci parfois à Pascal Verhulst, qui travaille à la ville et qui arrive à nous orienter vers des démarches plus judicieuses. Non, il y a vraiment un soutien à ce niveau-là. Il ne ferme pas les yeux sur nos projets habituellement. Ce serait de peut-être prévoir une petite enveloppe budgétaire pour les tout jeunes artistes qui démarrent. C'est-à-dire que les jeunes artistes ne pensent pas à tout l'administratif, à se créer une ASBL, créer une structure, ou quand certains le font, mais ils ne connaissent pas toujours les démarches. Donc peut-être que la ville pourrait avoir une oreille encore plus attentive par rapport à tous ces jeunes artistes qui finalement sont un peu comme des petites graines qui viennent faire germer tout ce territoire culturel carolo. C'est aussi grâce à eux que la culture existe, c'est pas juste grâce à des artistes de renommée ou à des grosses institutions. La culture, c'est aussi dans la rue, c'est aussi des jeunes artistes, c'est des jeunes cinéastes, des jeunes peintres, des jeunes comédiens, des jeunes musiciens. Et tous ceux-là ont besoin en tout cas d'aide, de soutien pour avancer et pour savoir comment ça se passe concrètement. Donc vraiment être encore plus attentif peut-être.